Ces nouveaux bacheliers seront formés à l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises du Bénin ESCAE. Ils sont 150 à bénéficier des bourses d'études grâce au soutien de cet opérateur économique. À travers cette œuvre de générosité, Dieudonné Agbaka vise la formation d'une relève de qualité pour servir avec efficacité la nation. Les universités privées, ce n'est pas seulement pour les riches, c'est également pour les pauvres. Mais il faut que le pauvre sache quand même comment s'organiser. Alors, d'une scolarité à hauteur de 450 000 francs, nous avions quand même négocié avec cette université pour que, fils de pauvre que nous sommes, nous puissions payer ne serait-ce que 175 000, soit plus de 65% quand même de réduction pour leur permettre d'accéder à ces mêmes filières qui sont des filières d'avenir qui garantissent désormais l'emploi au même titre que tout le monde. Donc c'est ce que nous avions essayé de faire. C'est vrai que nous essayons de garantir que ces étudiants, une fois ayant bénéficié de ces bourses, travaillent. Parce que c'est ce qui importe beaucoup pour nous. Des cadres à divers niveaux, des cadres techniques, il nous en manque dans le département des collines et un peu partout dans le Bénin. Donc il faut que nos jeunes frères d'aujourd'hui puissent s'inscrire dans ces filières, sortir en tant que cadre compétent pour être utile à la nation béninoise. Basé à Cotonou avec des représentations à Porte-Nouveau et à Savé dans le département des collines, l'ESCAED dispose des formations innovantes qui garantissent un avenir meilleur à ses étudiants. À l'occasion de cette journée d'orientation, l'ESCAE a présenté ses opportunités aux communautés du département des collines. Nous avons tout un panel de filières telles que le management des ressources humaines, banque et finance, l'informatique, sécurité informatique, génie civil, génie électronique et électricité. Nous intervenons également dans l'hôtellerie, restauration, tourisme. Nous intervenons dans le développement local et décentralisation. Nous intervenons également dans l'économétrie. Nous intervenons également dans les filets de droit et tout ce qui a trait à la gestion. Parce que notre objectif, comme je viens de le dire, c'est d'éclairer, disons, la jeunesse de Dassa et de Glasgow pour que, aujourd'hui, dans un monde où la compétition est la règle, qui puissent également être aptes pour compétir au niveau national qu'international. Les nouveaux bacheliers et leurs parents, séduits par le palmeret de cette école, remercient Dieudonné Agbaka pour l'opportunité qu'il offre aux enfants des communes de Dassazoumé et de Glasgow. La toute première impression, c'est d'abord la joie et qui s'exprime déjà par une certaine gratitude que j'ai pour ce monsieur qui a eu ce cœur paternel qui a pensé à nous, ces petits-fils, je dirais, et qui nous offre cette opportunité-là. C'était vraiment une grande joie pour moi d'avoir pris part à cette séance-là. J'ai apprécié positivement cette initiative. Vous comprenez très bien que moi, qui ai travaillé pendant ces longues années dans le secteur de l'emploi, lorsqu'il y a une initiative qui entre dans le cadre de l'orientation professionnelle, je ne peux que saluer ça et je ne peux que l'accompagner. L'ESCAED est un institut universitaire privé spécialisé dans les formations relevant de plusieurs domaines du commerce, de l'administration et des entreprises. Elle forme des étudiants en licence et master.